Bonjour, bonsoir pour nous tous. Comment nous y est? Content pour te yon son pour là, son ça lui-même, li pral fait que content parce que c'est une nouvelle information. Mais bien avant, côté, m'invite à abonner, partager le tout et commenter. Dis-moi comment son ça arrive sous vous. Pas oublier, Chanel Zach, c'est Chanel Information. Quel que soit côté nouvelle là, n'a pas côté le goût. On a le côté son avec. Et ta santé, Mirlet Maniga, papine en forme. Dame sa qui te dû rencontrer délégation CARICOM nan, pour le t'aller, se soutenir, yote obligé soutenir. Maître André Michel, ancien opposant farouche, président Jovenel Moïse, voyait de l'eau sous tout politicien qui voulait prendre pouvoir nommer Ariel Henry. Opposant farouche là, invité communauté internationale là pour venir prendre contrôle pays. 36 500 moun déjà appliqué dans le programme humanitaire Joe Biden te lancé. Là-dedans, 11 300 Haïtiens déjà autorisés, 5 500 là-dedans déjà aux États-Unis, madame, monsieur. Bonjour, bonsoir pour nous tous. Comment nous y est? Content informé. Vous aidez nous avancer plus loin. Abonnez, partagez et commentez toute émission nous postez. Madame, monsieur, avant-hier, lundi, c'était. Délégation CARICOM qui est arrivée dans le pays qui est venu chita avec plusieurs acteurs dans la vie nationale là, par exemple, Dr. Ariel Henry qui est premier ministre. Il a été rencontré tout avec membres HCTO et plusieurs membres dans la société civile. Et bien, Mirlet Maniga lui-même qui est un membre qui est très influent dans HCTO. Te pral rencontrer avec moun CARICOM pour discuter de situation pays à connaître sous point de vue insécurité et grand bout tout l'autre ça nous connaît yo. Et bien dame ça li même li pas ka aller pour compte li nous connaît li sous béquille li très âgé pour t'aller moun te obligé soutenir li te obligé supporter pour t'aller rencontrer avec moun ça yo. M'a invité au garder ensemble avec moi dans un code vidéo côté que yo t'a bay Mirlet Maniga le bras. Eh bien, nous avons une réunion avec représentants de la CARICOM, donc communauté Caraïbe et Haïti membre de CARICOM, mais c'est toute l'autre chose qui venait pour essayer de nous. Nous faisons échange avec eux, HCTA, oui, HCTA, avec eux. Ils posent une question, nous répondent, qui ça nous remet, qui ça veut bien pour dire nous, qui ça veut qu'on offre nous. Et ensuite, nous voyons qui côté nous sommes capables de boire encore. Non, je ne pas promettre. Je ne pas promettre concrètement. Il y a pas ceci, cela. Simplement de très bonnes dispositions. Et n'a pas d'accord. Nous insistons en pile sur la question de sécurité. Et on prend note de ça, que c'est ça qui est vraiment une préoccupation essentielle, nous. Sécurité au pays. Et nous avons un certain nombre de détails concernant sécurité. Et on connaît tout quand même. On prend l'information. Membre au conseil transition, yo t'es insisté sur question sécurité avec membre CARICOM. Tant qu'on connaît le pays, la paix en face avec une insécurité qui vraiment galopante, moun pas suspend kidnappé, moun a victime de action bandi yo. Donc, moun yo même HCTO qui gagne pour mission pour yo bay pays a yon l'autre orientation, t'es obligé souligner un grave bagay qui gagne pour avec sécurité. Pas oublier HCT yo même c'était un accord plusieurs acteurs politiques te joignent en date 21 décembre passé à côté que yo te signé un accord entre yo pour pays te capable gagner une autre orientation. Qui mission yo te gagné madame monsieur? Yo te gagné mission pour yo te réviser constitution haïtienne là, ensuite yo te gagné pour yo te renforcer système judiciaire là et dans système judiciaire là yo posé une action en pile monde a commenté journée jodi qui c'est nomination 8 juges pour la cour de cassation. Tant qu'on connaît nommer un juge dans la cour de cassation ça a mérité un pile processus côté que parlement haïtien lui-même lui doit lancer un appel à la candidature mais
pas gagné parlement Kounia. Donc c'est ça qui fait que le premier ministre Ariel Henry avec membre HCTE même il prend décision pour publier dans le journal Le Moniteur une liste qui gagne 8 personnes là-dedans qui pourra siéger dans la cour de cassation, madame, monsieur. Situation Melod Maniga pas fini en forme malgré gagner jeune gagner l'autre monde qui est capable occuper place, mais malheureusement, comme nous connaissons, c'est un monde qui gagne un pile passé et bon passé dans la République là tout, et lui-même qui joue le rôle ça, qui a porté support avec le gouvernement Ariel Henry, madame, monsieur. Maître André Michel, que tout le monde connaît comme opposant, ancien opposant farouche président Jovenel Moïse, boye de l'eau sous tout politicien haïtien qui t'a compris que nous prenons le pouvoir dans la main Dr. Ariel Henry. Maître là lui-même, qui te croit pas qu'à gagner élection à un moment donné par rapport avec gens en sécurité et sécurité à ta ferrage dans pays qu'on y a demandé faut gagner élection mais pour gagner élection ça faut communauté internationale là lui-même porter support faut ta gagner militaire étranger qui débarque dans pays pour venir déblayer pays avec ça qui vient pour avec bandi pour nettoyer pays propre après condition ça même fin réuni date ça capable gagner élection. Mais à un moment donné, le président Jovenel Moïse lui-même, te vle gagner élection dans le pays, il t'a toujours dit pas qu'à gagner élection par rapport avec Jean Bagayoye, gagner grand groupe, gagner kidnapping, il t'a même fait connaître kidnapping, c'était un kidnapping d'État. Mais je dis, il est sous pouvoir Ariel Henry, il est un gros sous dans bouillon, t'as semblé mettre la paf in ouest, il gagne insécurité, il gagne grand groupe, kidnapping dans tout le papali. Il n'a pas dit aucun nom, mais il m'a dit fuck politique eux-mêmes et dans l'élection pour y aller pour être capable d'occuper une place dans le gouvernement haïtien. Je invite à entendre M. André Michel qui a apporté précision sur ça. Représentant de la CARICOM. Mettez-le, Michel. En parlant des élections, il y a un pile monde qui a mandé un candidat à la présidence. Sans occasion, mettez-le, Michel. Le plus important aujourd'hui, c'est de créer les conditions pour nous aller dans l'élection. Dans l'élection, pour nous aller, tout le monde qui a une belle idéologie, bel projet, belle phrase, c'est pour y aller vendre devant le peuple dans l'élection. Parce que ce n'est pas l'autre champ pour nous arriver sous pouvoir aujourd'hui. Ce n'est pas à travers les élections. Mais nous, dit communauté internationale, là, un problème important, pays, un problème de sécurité, et nous demandons pour aider Haïti à résoudre le problème de sécurité. Et tout groupe politique qui est dans la rencontre, nous devons reconnaître que le pays a un problème de sécurité, et nous ne sommes pas capables de résoudre le problème de sécurité, un problème de gang pour contre nous. À la vérité, c'est ce groupe Mandana qui pense que nous n'avons pas besoin d'aucun support pour nous résoudre le problème de sécurité. De toute façon, maintenant, Michel, précisez-le bien. Si vous avez besoin d'entrer dans le pouvoir, si vous avez besoin de gérer le pays et dans l'élection pour aller. Mais il me demande avec l'international, là, même j'ai un premier ministre Ariel Henry Tefel dans le mois d'octobre passé, pour la crise qui a été avec le carburant. Payant non crise totale capitale. Moun pas ka jwenn gaz et après gouvernement haïtien lui-même l'ital fixé prix gaz là très très cher. Moun pas ka acheter, population te prend la rue, manifestation toute la cette journée dans toute ville province, Jacmel, Cap-Haïtien, Okaï, c'était même bagaille là. Premier ministre Ariel Henry pour te capable jwenn yon consensus pour être capable de faire un apaisement de situation. Ça, il était sorti dans le silence libre pour demander à la communauté internationale de voir une force militaire dans le pays. Il demandait tout pour venir au plus vite que possible parce que la crise Haïti a connu aujourd'hui lui-même. C'est un bagage, le gouvernement haïtien n'a pas qu'à gérer pour quoi, la police nationale n'a pas qu'à gérer pour gagner une assistance militaire étrangère. Comme nous connaissons André Michel lui-même, il joue une place qui est vraiment prestigieuse dans le gouvernement. Ça, il est toujours orienté décision que le gouvernement prend. Et ça fait déclaration par différents de par premier ministre qui toujours a dit fuck Canada, États-Unis, l'autre côté, pour venir aider pays.
André Michel lui-même, il était sous ça, pour que le pays lui-même joue un support international là pour gagner sécurité. Après, il y a sécurité et puis le monde a marché dans tout coin dans le pays, dans la ville provinciale, dans tout le monde, tout pour mobiliser le monde et puis tout pour voter. Mais entre-temps, pendant le sous-pouvoir là, pendant le gouvernement Ariel là, il faut pouvoir arrêter poser parce que pas gagner situation sécuritaire qui établit pour gagner élection dans le pays, madame, monsieur. Bonne nouvelle tombée pour le monde qui est dans le programme Biden. Nous connaissons depuis un bon temps, ce qui a fait actualité dans le pays, c'est affaire programme Biden. Côté programme, ça sorti. Gay en pile migrant qui était qu'on almasser sous frontière États-Unis avec Mexique. Bagay sa li te vraiment troublé gouvernement américain. Et ça fait en date de 5 janvier passé, le gouvernement américain qui a Joe Biden dans la tête li, te prend décision pour 30 000 migrants rentrer aux États-Unis chaque mois pendant une période de 2 ans. Pays qui te concerné, c'était Haïti, Canada, Haïti, Cuba, Nicaragua avec Venezuela. Eh bien, madame, monsieur, pendant un moment, ça a un rapport qui sorti, il y a 36 500 personnes qui déjà bénéficié du programme. Donc, vous pouvez regarder le sous-écran, madame, monsieur. Dans 36 500 personnes, il y a 11 300 haïtiens là-dedans. Mais ce n'est pas tout qui est temps aller. Parmi 11 500, il y a 5 500 qui déjà aux États-Unis. Je suppose que vous commencez à parler d'anglais, vous commencez à distraire normalement. Eh bien, le programme ça lui-même dans pile institution passée gagné en pile monde qui tes amis gagné en pile monde ou t'es bien avec yo là ou rivé ou pas ouais dans université yo c'est de même ou capable te gagner un bon ami ou un bon collègue là ou rivé ou mandé côté li yo dit si ou pas dans pays parce que monsieur lui-même lui déjà quitté longtemps et gen moun ki même mando pour qui sorte ou même est-ce que c'est parce que ou pa gen moun ki pou appliquer pour tant ou toujours remarquer immigration pas suspend gen moun la dedans ou k ap descend papier les pas makon pour capable faire demande passeport yo même policier qui te pays en tout gagné plus que 20 la dedans qui déjà États-Unis et un tiers la dedans yo a fait demande passeport pour yo capable aller madame monsieur tant ou nous te connait te gagné 20 états républicains qui te campé en quoi et qui toujours campé en quoi pour boycotter le programme Biden nan, parce que vous faites connaître le programme nan li illégal. Mais entre temps, il y a une décision qui prend pour bagay sa plaider dans le mois avril kap vini la. Mais chose pour te gagner 36 500 moun ça gagné Cuba la dedans gagné Venezuela la dedans gagné Nicaragua la dedans gagné Haïtien la dedans tout qui déjà appliqué qui capable aller aux États-Unis et autorité américaine yo fait connait programme ça bay en pile résultat par rapport à quantité moun qui te kon marcher sous frontière yo li baissé considérablement ou songé à un moment donné. Yo te mette moun avec choual pour kwape migrant qui sous frontière yo yon nouvelle qui te là ou t'a regardé sur réseaux sociaux yo haïtien te vraiment dérangé par rapport avec gens haïtien gouvernement américain lui-même li t'a maltraité haïtien yo t'a déporté yo papil et pas makon mais maintenant situation li plus ou moins rétabli haïtien a chercher voie légale yo pour yo entrer aux États-Unis mesdames monsieur c'est ça de l'info concernant le programme Biden et m'a rappelé autour gagner application TikTok madame monsieur communauté européenne mandé pour tout salarié yo supprimer application ça sur téléphone yo est-ce que Haïti va l'entrer dans même bagay ça nous pas connait États-Unis lui même t'es déjà prend décision ça pour application ça qui c'est une application chinoise pour moun pas utiliser application TikTok c'est une application en pile moun utilisé surtout madame haïtienne toute la semaine toujours à danser voyez ti fleur malgré li indu moun à l'erreur gen bagay pas ta supposé ouais yo utiliser quand même mais li gen bon côté de toute façon comme nous connaît peuple là c'est un peuple
qui a un petit défaut, qui a un petit problème parlé, il n'y a pas pour utiliser le bon côté, il y a plus utilisé le mauvais côté. Et m'a rappelé autour, il y a un monde sur TikTok qui c'est Aurélie, mais c'est lui-même, c'est un monde qui fait un pile code dans le domaine TikTok là. Nous pas connaît si Haïtien lui-même l'a frappé par décision ça tout, mais la communauté européenne m'a dit tout salarié lui pour supprimer application ça sur téléphone yo. Tant pour connaître Chanel ça, c'est Chanel information. Quel que soit côté bagay la yé, n'a poté le pour vous, non pas m'se Hérold Théodore ou maître t'es là, on va chercher information encore pour m'poté pour vous. Au revoir. M'te doué assister un client dans le cabinet d'instruction, ça veut dire dans le même local tribunal là côté paquet arrière, mais malheureusement au dernier moment m'te recevoir un message de juge d'instruction qui fait me connaître que audition reportée le lendemain, ça veut dire jeudi. Okay. Alors quittez-nous prendre dossier dans sa globalité. Très bien. Première précision pour nous porter pour auditeur matin débat, c'est que à partir de la mise sous pied du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le ministère de la Justice cesse d'être l'administrateur du pouvoir judiciaire. Très bien. Ça veut dire que le CSPJ devient l'organe chargé de l'administration et de la discipline de la magistrature, mais assise. De la magistrature assise. Assise, très bien. Ça veut dire moi, ouais, juge de paix, yo, moi, ouais, juge d'instruction, yo, moi, ouais, juge de siège, yo, tout juge, yo. En général, tout monde qui est en charge discipline, yo, et administration, yo, c'est le CSPJ. Maintenant, le ministère de la Justice conserve l'administration et la discipline des greffes et des parquets. Très bien. Ok. Maintenant, premier problème que certification posait, c'est que l'ité doit être faite a priori, l'i pas faite a priori. Ok. C'est ça qui baille tout débat ça. C'est un comme d'avadjou, yon moun que matin débat estimé que le besoin recruter un jeune journaliste. Donc, jeune journaliste là, li poko journaliste tout autant poko rempli condition yo. Ok. Donc, s'il passe examen et le codezi estime que diction le pas en forme, li voue l'aller, li pa gen ken voie de recours. Ok. Li pa gen ken voie de recours parce que li poko gen droit à fonction. Ça veut dire li poko accéder comme membre de l'équipe de Matin Débat. Très bien. Maintenant, la certification aurait dû se faire a priori. Ça veut dire avant que citoyen, ou même pas même dit magistrat, non? Mm-hmm. Avant que citoyen vienne gagner un chapeau magistrat, on fait l'analyse de ces dossiers pour garder sur le plan académique, est-ce qu'il répond à l'exigence? Pour garder sur le plan éthique, à tous les points de vue, est-ce qu'il répond? Mm-hmm. Travail ça doit être fait a priori, il pas fait a priori. Okay. Mais c'était une entente à travers la législation que c'est tant qu'on t'a dit un monde qui était magistrat ou tant qu'on monde qui était entre guillemets magistrat provisoirement en attendant la certification. Okay. Maintenant, peut-être vous voulez madame quel est l'avenir des magistrats non certifiés. Voilà, quel est donc l'avenir des magistrats non certifiés. Et est-ce qu'il y a toujours une collaboration? Est-ce qu'il y a toujours une collaboration entre les magistrats certifiés et ceux non certifiés? Non, en principe, au regard de la loi, et il faut préciser que la commission de certification est une commission mixte, composée à la fois de membres du CSPJ et de membres du ministère de la Justice. Mm-hmm. C'est composé de plusieurs membres du CSPJ et de plusieurs membres du ministère de la Justice. Donc c'est une commission mixte. Mm-hmm. Ça veut dire qui ça? La commission dit que tel magistrat n'a pas certifié. C'est pas seul CSPJ qui dit le pas certifié, le ministère de la Justice aussi, uh-huh, à travers cette commission mixte, dit que Mounsa pas certifié trop. Ça, c'est première considération pour le faire. Très bien. Quel est leur avenir? Ils n'ont pas d'avenir, en principe. Ils n'ont pas d'avenir. Moi, comprendre que... Tu parles des juges non certifiés, mm-hmm, n'ont pas d'avenir. Les magistrats en général. Oui, les magistrats en général, ok. Non certifiés. Il s'agit des magistrats debout ou assis. Ok. Qui n'ont pas été certifiés, qui sont déclarés non certifiés par la commission de certification. Y compris le commissaire du gouvernement, Jacques Lafontaine. Mm-hmm. Oui, certainement. Je ne veux pas faire personnalité.
Moi, je voulais prendre question sur le plan global. Non, alors pour qui ça, moi, je dis ça, il y a des gens qui pensaient que l'ordre du magistrat ou pas du commissaire gouvernement, donc le commissaire gouvernement va la donner, donc ça fait deux semaines. Très bien. Merci pour précision. Les commissaires du gouvernement en général, ils sont des magistrats au même titre que les juges. Ah, les juges, très bien. Okay. Sauf que la loi distingue un magistrat debout de un magistrat assis. Assis, très bien. Les magistrats assis, ce sont les juges. Les magistrats debout, ce sont les commissaires du gouvernement et les substituts du commissaire du gouvernement. Très bien. Donc ils sont des magistrats à part entière. Très bien. Maintenant, à partir de cette non-certification, l'exécutif, à travers le ministère de la Justice, aurait dû intervenir. Okay. Aurait dû donner suite aux résultats de la commission de certification. Très bien. C'est pas fait ou c'est pas encore fait. Ok. Ok. Donc, mais maintenant, un magistrat qui n'est pas certifié par la commission technique de certification, malheureusement, n'aura pas le choix que de plier bagage. Ok. Ok. Non, c'est ça. Maintenant. Alors, M. Peggy. Oui. Ou pour ton précision qui est extrêmement important, et commission CAP décide sur question ça, elle est composée des membres CSPJ, également ministère de la Justice. Et autorité décisionnelle non cas comme ça, c'est ministère de la Justice, gouvernement en fait. Jusque là, pour qu'on ait une décision sur Dildalé qui prend contre le juge Sayo, est-ce que ça ne signifie que si pas jamais une décision pour prendre pour retirer dans le système non? Donc il y a toujours touché, il y a toujours fonctionné normalement. Est-ce que ça ne signifie que il y a toujours en place? Non, naturellement, CSPJ, c'est pas organe qui peut avoir exécuté décision. Ouais. Mais CSPJ constate que l'exécutif, à travers le ministère de la Justice, pas fait suite à demande, ça veut dire pas fait suite à résultat que sorti. Donc CSPJ passe instruction aux doyens et aux présidents des cours d'appel, pas seulement les doyens, parce qu'on a des doyens au niveau des tribunaux de première instance, mais on a des présidents au niveau de nos cours d'appel. On a 5 cours d'appel dans le pays. On a 18 doyens, c'est-à-dire 18 juridictions de première instance, mais on a 5 cours d'appel. Donc le CSPJ a passé des instructions au président des cours d'appel et aux doyens des tribunaux de première instance afin justement de faire appliquer la décision qui a été prise, à savoir empêcher que yo siégé comme juge et récupérer dans main yo les matériels de l'État qui ont été mis donc, à leur disposition. Ou pas son doyen qui a empêché un commissaire gouvernement siéger? Sur le plan administratif et disciplinaire, le commissaire du gouvernement relève de l'exécutif, relève du ministère. Voilà, il n'y a pas qu'être régularité là. Très bien. Donc, doyen capable, pour les juges, oui, il peut. Pour les juges, oui, il peut. Mais pour le commissaire du gouvernement, qui est le représentant de l'exécutif au sein du judiciaire, ça demande l'implication de l'exécutif pour l'application de cette décision. Très bien. Ça demande l'implication de l'exécutif. Maintenant, Sok nous dit que pour le commissaire du gouvernement, il faut prêter serment devant doyen. Doyen. Si vous ne prêtez serment devant doyen, exécutif n'a pas qu'à mettre au commissaire du gouvernement. Très bien. C'est juste un bureau. Donc c'est le pour le bureau. Une fois qu'on prêtez serment, on va dépendre de doyen. Sur le plan administratif et disciplinaire, vous ne dépendez pas du doyen. Très bien. Vous dépendez de l'exécutif. Très bien. Alors, M. Peggy. Administratif et disciplinaire. M. Peggy. Et hier, tu as un avocat qui a parlé là hier, c'était M. Anel Rémy. Et nous avons parlé sur question et recours qui doit gagner et instance juridictionnelle qui t'a supposé tabli pour que ce recours là, c'est au niveau de CPJ, CSPJ. Malheureusement, Jean situation présentée, cette assemblée, c'est devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif que monsieur qui non certifié t'a gagné pour faire recours ça. Sans penser de ça. Ok, premier ça n'a dit, c'est que voie de recours répond à un principe général de droit. Ça veut dire, l'on a parlé de garantie judiciaire. Ces mêmes gens, si une autorité judiciaire,
c'est ça que fait avocat Luc Néadésir et avocat Esaü César te écrit DCPJ pour dire que ou voulez tant de clients non sous dans ce dans le cadre d'une enquête en cours. Quelle est cette enquête qui est en cours? Parce que ça fait partie de garantie judiciaire, le fait que me connaisse ou qui sort pour interroger pour que je me prépare en conséquence. OK, donc son droit de l'homme que lié. Mm-hmm. Ça c'est le principe général. Cependant, en cette matière précise, il n'y a pas de voie de recours. Mais pour nous comprendre ça, qu'il n'y a pas de voie de recours, bon, grain de bagaille pour auditeurs comprendre. Mm-hmm. Pas de voie de recours en cette matière, c'est parce que ce travail aurait dû se faire a priori, c'est-à-dire avant même d'accéder à la fonction de magistrat. Eh bien. C'est parce que l'y pas fait dans le pour te fait là, qui fait monde qui occupe poste magistrat assis ou debout, considérer que c'est un acquis. C'est un acquis parce qu'il est magistrat, il décide au nom de la République, etc. etc. C'est exactement l'exemple de ce là. Si par exemple, yon journaliste, nan, yon membre de l'équipe de Matin Débat, par exemple, ça va révoquer, li gen voix de recours qui a intenté parce qu'il était en poste, il était en fonction. Mais si c'est un monde qui vient passer test dans la radio, pour le cas rentrer dans la radio a dit que, bon, moi, que dans la communication écrite, ou fait 7 sur 10, mais en communication orale, moi, ouais, c'est 3 sur 10 ou fait, alors que radio, c'est, la radio, c'est d'abord l'oralité. Et sur cette base, Matin Débat, pas qu'à engager. Là, ça n'a pas une voie de recours encore. Je ne sais pas si nous comprenons bien. Le coup parce que l'hypoco n'en fonctionne. Naturellement, il y a plusieurs juristes qui expliquent le tout. C'est que, c'est comme tu as dit, avant la certification, on n'a jamais eu de magistrat. On a eu des magistrats provisoires. Provisoires jusqu'à ce que certification vienne dire que vous êtes définitif. En définitive, non, logiquement, mandat qu'on gagne, oui. Ou bien jusqu'à ce que certification vienne dire non, ou pas qualifié pour magistrat. Donc, le fait que nous faisons travail ça en retard, vienne gagner la théorie des droits acquis. Donc, nous avons estimé que l'in en fonction, l'a exercé depuis 4-5 ans. Yeah, donc, il va comprendre comment pour venir retirer le nom, j'en retire là, il estime que le tas doit avoir voie de recours. Yeah, mais en cette matière précise, et au regard du droit positif haïtien, ça veut dire que dans la situation actuelle, droit, pas une voie de recours pour un magistrat non certifié. Mais causez. Parce que la non-certification n'est pas une mesure administrative. C'est pas une mesure administrative. Yeah, yeah. Donc en fait, si on a compris la Melpegui, c'est pour un problème qui a résolu demain matin. Naturellement, bon, nous-mêmes nous faisons tout à fait nous mal comme société. Ouais. J'aime préciser là, la certification aurait dû se faire avant même que le citoyen ou le juriste ait accès à la fonction de magistrat. Et depuis là, ça, pour nous décertifier, pour nous dire, oh, à pas mal mener enquête, moi, ouais, qu'on va te gagner bac 2, etc., etc. Ou bien, à pas mal mener enquête, moi, ouais, que, ou qu'on fraude côté fait, dans telle situation de vie privée, ou, etc., etc. Donc, c'est à l'tadoué. Mais naturellement, nous pas fait travail là, a priori. Maintenant que travail là a fait a posteriori, donc citoyen vient estimer que l'ITGT a accès à la profession, à la fonction, donc c'est un abus qu'on fait qu'on retire le même. Mais en réalité, il n'y a pas de voie de recours dans le cadre de la certification ou non des magistrats. Logiquement, magistrat pas certifié, logiquement, sauf coup de théâtre. Logiquement, on va parler au regard du droit. Au regard du droit, ils ne sont plus magistrats. Mes amis, le maître Peggy Jean, merci. Pas mon couille, oui. Qu'est-ce que là, monsieur? Pas mon couille, merci. Bon, et... Nous connaissons? Oui, bah, yo. Ça veut dire que là, Genèg là, si pas mon couille. Genèg là, comme si, qu'à souquer corps, qu'à battre corps, battre l'estomac, par exemple. Il n'y a pas magistrat encore? Oh. Jean-Mi, usurpation de titre. Oh, ah. Pardon de gozer. Bon,
Eh bien, c'est même 50 juges ça que... Jovenel Moïse te dit au Bali pour le nommer. Ouais, que... Bon, bon, cloche. Bah, rappelle ça historique. Je on lâche lui. Hein? Rappelle ça historique. Jovenel là, son lâche. Et qu'il va continuer pour le défaire avec moi. Eh bien, il y a un juge de tout, il y a un juge de 6 mois d'après le tout, monsieur. Oui. Pour arrêter, monsieur, mais c'est tout. Arrêtez, tout. Quand est-ce juste ça? Il Canada. Canada, monsieur, monsieur, vous faites. Canada hypocrite! Ou Québec! Ou Québec criminel là, là-caou! Canada qui a pris un cap pour section, oui. Canada qui a pris un cap pour section! Ou Québec juge là, là-caou! Ouais, juge là-caou! Le Canada! Là, oui. Correct. Je demande à l'ambassade du Canada. Ouais, ça me va comprendre. Je demande à la justice haïtienne, monsieur le juge.